président de l'OTA à la Kianza, est-ce qu'il va temps la passe? Tu remets déjà presque 12 heures avant le président de l'ECSM, le président Moïse Katoum, le président Martin Fayoulou, va les bloquer à la Kianza. Est-ce qu'il va temps la lutte pour autant la pour aller en direct, le bateau. On est toujours bloqué, pour autant la lutte pour se déplacer dans le super. Vous êtes, vous prenez
processus électoral, au niveau de la commission électorale indépendante et au niveau de la Cour constitutionnelle. Voilà les trois principaux objectifs de cette marche qui est en phase avec les vœux et la volonté de la population qui désormais n'est plus avec le pouvoir et totalement avec l'opposition que nous représentons ici. Le deuxième point, c'est celui de mentionner la barbarie et l'arbitraire que nous venons de vivre avec vous, mesdames et messieurs de la presse, au cours de cette marche. Cette marche, comme vous l'avez vu, il y a une répression barbare, non seulement des leaders de l'opposition, mais aussi de la population. Laquelle répression est arrivée à des blessures, dont certaines graves, deux personnes sont entre la vie et la mort. Qui pouvait l'imaginer, venant d'un parti au pouvoir qui hier était dans l'opposition et protestait contre la barbarie. Deux députés, l'un provincial, Mike Mukebaye, l'autre national, Ados Ntombasi, ont été malmenés comme des vulgaires citoyens, alors qu'ils sont bénéficiaires d'une immunité parlementaire. Nous qui vous parlons, nous pouvons savoir comment ce régime bafoue l'immunité parlementaire. Ces personnes seront libérées aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Il y a eu aussi le sabotage des véhicules des leaders ici devant vous. Certains véhicules ont même reçu